Nous sommes sur A Plague Tale Requiem. La dernière fois que j'ai joué, c'était il y a longtemps et j'avais eu plein de soucis. On a dû couper les VOD et tout ça pour essayer de régler, bref. Ce qui fait qu'il y a une partie, toute petite partie, d'environ 5 minutes de jeu, qui ne sera dans aucune VOD. Parce que malheureusement, la sauvegarde s'est faite juste après un mass... Enfin, je pense. Normalement, on est après le bateau. Et on avait un petit passage au bateau qui, je crois, ne sera pas dans la vidéo. Si elle y est maintenant, tant mieux. Sinon, bah, faut savoir que c'est juste qu'on se dirige vers l'île de Lacuna avec du monde. Et juste un petit passage sur le bateau sera peut-être coupé. Et on va peut-être arriver direct à l'île de Lacuna, je ne sais plus. On va voir ça. En tout cas, moi, je cache ma chetron, comme d'hab, pour Plaquetel. Et puis, je vous fais des bisous. Hein ? Je suis toujours là, hein. Je me promets. On est dans mon rêve, Amicia. Je vomis vite quand ça bouge, c'est pour ça. Oui, bah écoute, hein, au bout d'un moment, on peut pas faire avec les problèmes de tout le monde. Hein. Mais maintenant, il faut trouver ce qui ouais, moi, je suis épileptique. Ah ouais, moi, j'aime pas quand ça tourne. Ah, moi, j'aime pas les jeux où ça va trop vite. Ah, moi, j'aime pas les jeux où ça va trop lentement. Il vaut le détour. Moi, les couleurs chaudes me font mal à la tête. Ah, moi, c'est les couleurs froides qui me fatiguent les yeux. Vous pouvez adapter votre stream absolument à tous nos problèmes, s'il vous plaît. Je jure. Voilà, c'est bien ça, nous sommes là à l'île de Lacuna, apparemment. Et on suit l'autre dont j'ai oublié le nom. De son rêve et je voudrais vous aider. Et voilà, et on essaie de faire en sorte que... Hugo retrouve l'île de son rêve. Vas-y, Hugo. Oui, dans mon rêve, je me suis réveillée sur une plage et j'étais malade. Non, quand ça me va pas, je pars. Et quand ça te va, tu te plains. Et je l'ai suivi. J'ai cru que j'allais mourir, mais l'oiseau m'a montré de l'eau qui m'a guéri. Et il y avait un très grand arbre aussi. Et c'est là que... Ça y est, il me saoule. Ça y est, le gamin me gonfle. Oiseau, arbre, eau. Ça pourrait être n'importe où. Mais c'est un bon début. On peut aller demander au marché. Allons-y. Bon, moi je voulais explorer un petit peu l'île avant. Mais j'ai vu des trucs, une fausse tache d'été. Oh, Albatros! Albatros. Plus tard, j'en peux plus. Pareil. Le marché est infernal cette année. Alors, est-ce qu'il y a des micro-lags? Normalement, ça va à peu près. Il peut en avoir un tout petit peu, parce que j'ai remarqué qu'il y en avait quand même des très légers. Mais normalement, c'est regardable. Ouais, c'est pas giga fluide. Mais on a des années-lumière. En termes de distance, hein. De ce qu'on avait la dernière fois. Et voilà, il faut savoir qu'on avait un petit passage en bateau qui nous a été enlevé. Qui n'est pas là dans la section de jeu. Mais bon, et en gros dans le bateau, il s'est juste passé qu'on était en bateau. Hugo a joué avec des trucs avec lesquels il devait pas jouer et puis c'est tout. Dire que c'est un rêve. Et n'interroge pas trop de gens, on ne sait jamais. D'accord. Alors je vais demander. Bon, par contre c'est sublime. Du jardin de notre mère. Par contre, c'est vraiment trop joli. Venez voir mes fleurs, parfaites pour les festivités. Lui, il est perdu, lui. Voilà. Donc je parle aux gens du coup. Oh, je voulais pas leur parler, moi, je voulais juste regarder. Non mais dégage-toi. Il est perdu, lui. Bonjour monsieur. Est-ce que vous... Il y a un étang magique ici, avec des oiseaux et des arbres. Oh, ça y est, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Je suis pas d'ici, vous savez. C'est plus beau Minecraft. Oui, oui, c'est pas aussi beau qu'un shader Minecraft. Effectivement, faut pas déconner. Eh bien, merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur, d'avoir répondu à mon petit frère qui est bizarre. Et peut-être drogué. Aussi subtil que t'es grand. Hein, quoi? Allons voir le reste. Ça veut dire que t'es aussi con que t'es petit. Bonjour, monsieur. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Ils vendent des poudres de couleur. On nous a parlé d'un étang avec de l'eau au pouvoir de guérison. Vous sauriez où il se trouve? Aucune idée. Mais durant les jours radieux, il y a beaucoup d'occasions d'être béni. Ah, c'est bon à savoir. Il a l'air... Est-ce qu'il y a un grand oiseau sur cette île? Il fait trop flipper, je trouve, derrière nous. Par-ci, par-là. Tu en verras peut-être. Eh bien, merci pour votre temps. De rien. On dirait un mec un peu bourré, tu sais. Il a un peu du mal à tenir debout.
Et du coup, bah, il est là, il essaye de faire genre il est normal, mais vu qu'il a bu, bah, ça fait quand même bizarre. Bah, c'est ça. Vous savez, quand t'es un peu bourré, mais tu veux pas le montrer. Le festival bah, c'est cette ça. Année semble plus animé que d'habitude. Je pense qu'il y a deux fois alors, plus d'étal que la précédente. C'est trop joli. Mais j'ai un micro mais minuscule, plus dans le plus dans les choix que dans le, la beauté. C'est trop beau, franchement. Mais on voit clairement que tout a été fait dans quatre tons. Le vert, le rouge, le jaune et le on va dire les tons un peu beige. Et du coup, on a vraiment l'impression que c'est un marché fait par un décorateur d'intérieur et pas un marché avec. Regardez les épices, genre vraiment les tons sont beaucoup trop harmonieux. Tout est extrêmement harmonieux. Même les pains sont en harmonie. Regardez les tables avec les pains. C'est presque quatre tons. Non, pas le poisson. En fait, c'est presque trop harmonieux pour sembler réaliste. Regardez les tissus. Ils ont quatre couleurs. Et c'est tout. Du coup, ça fait très très beau. Mais vraiment, on dirait du coup... ça fait trop... C'est trop harmonieux. Ça fait un chouïa. Un chouïa trop bien recherché pour être un marché fait par des gens. Le classique, quoi. Il y a pas assez... C'est pas assez disparate. C'est pas assez... Mais du coup, bah, c'est un choix aussi. Parce que voilà, tu fais... Là, ils ont surtout pris le parti de vraiment faire un... Un puits de couleurs après avoir été beaucoup dans l'obscurité, les rats, le côté terne et tout. Là, on a waouh, tout d'un coup, couleurs très vives et tout. Du coup, je pense que c'est pour vraiment accentuer cet effet-là. Mais à côté, du coup, vraiment, le marché, bah, ça fait que on y croit à moitié. À moitié. Je sais que je suis peut-être super casse-couille, mais c'est que je me dis, punaise, ils sont trop forts, les habitants, ils ont réussi. À coordonner leurs couleurs tous, de tous leurs étals et de tous leurs vêtements. Essayons de nous renseigner ici. Parce que les vêtements des gens aussi, regardez, il y a quand même très très peu de... Si vous voulez toujours aider, très très peu de nuances. Coup de main pour la fête de ce soir. Mais à côté de ça, du coup, ça fait l'effet puits de couleurs qui est accentué. Donc en soi, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus un choix. Nous venons d'arriver et... Nous avons entendu parler d'une. Et c'est mon petit frère qui va vous dire un truc de mec bourré, l'écoutez pas. C'est très précis. Quelqu'un connaît ? Désolé, ça ne me dit rien. Marché qui marche pas si bien que ça. Il y a aussi un grand arbre. Eh bien, l'île est pleine de grands arbres. Vous en trouverez plus haut sur le plateau. Bien, merci quand même. Je vous en prie. Elle avait l'air un peu passive-agressive, non ? Il y avait un grand arbre. Bon, j'avoue, en même temps, qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? À part, bah oui, et alors ? Les rêves sont les contes de l'âme, demi-portion. Pas de ce monde. On va continuer à demander. Là, des plumes. Celle-ci est sombre. Un rapace, je pense. Plutôt petit. Des prédateurs rapides, diablement malins. Oh, le mec. Ça tirait très bien. Le mec qui ramène sa science. Fière allure, petit. Diablement malin. Un vrai petit prédateur. Prédateur, je parle. Oh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait de cet endroit. Tu te souviens quand tout le monde partait pour le continent ? Oui. À un moment, j'ai bien cru qu'on serait les derniers habitants du village. On peut pas passer en fait. Ce sera le cas, ma chère, tu verras. C'est glauque ça. On peut compter sur sa modération qui part jouer à Minecraft. Ah oui, bah là, hein, c'est... c'est foutu, hein, y a le serveur à dispo, on y est pour un petit moment encore. Hein. Je vous cache pas qu'on va y retourner après. Mais pas maintenant. Là, pour l'instant, on visite cette magnifique, c'est pour pas se brûler. Magnifique île. Que bon, faut avouer quand même que... Ça, c'est un putain de fond d'écran. Hein. C'était... Non mais arrête de passer ! Oh ! Tu niques tout, mec. Franchement... Ouais, retourne-toi, ouais, t'as bien raison, ouais. T'es puni. Voilà, ça n'enlève... Ma remarque n'enlève rien à la beauté du jeu, au contraire, en fait. Hein. C'est l'accent, ça montre à quel point ils ont pensé à tout pour... Oh, Amicia, on peut y aller aussi ! Ouais, une pendaison ! Bonne idée. Non, je déconne, j'ai pas compris ce que c'était. Je peux courir ? Non, je peux pas.
Pour pas en venir l'enfant. Doit-on se méfier de l'armée du comte ici? Ils ont l'air plutôt calmes. Oh, autre capitaine, autre soldat, autre endroit. Je pense pas. Parfait. J'espère qu'il y aura un homme dragon. J'aimerais bien aussi voir un homme dragon. Je connais beaucoup des modos qui jouent à Minecraft. Alors officiellement, Surf Moine et Royal sont aussi des modos. Venez mesurer votre adresse. Oui, ah ça je veux ça. Allons jeter un œil. C'est gratuit. Oh. Tentez d'attirer la faveur de l'enfant des braises. Bien le bonjour. On peut jouer? Bien sûr, c'est simple. Lancez un pot dans chaque couronne. Même leurs cibles sont belles. Vous n'avez plus de pot. Ne faites jamais deux jets dans la même couronne, compris? Bien, voyons comment je m'en sors. Tu vas gagner! Le contraire me décevrait beaucoup. Chut, j'essaie de me concentrer. C'est que cette musique banante? Attendez, je veux pas rater. Oh, bon sang. Oh, c'est pas bon. Mais tais-toi, attends, c'est chaud, hein. Mais c'est trop dur. Je peux pas en fait. Tu peux y arriver. Mais non, mais je comprends pas comment ça marche. Attends, je vais essayer le clavier souris, wesh. Regardez, c'est soit en haut, soit en bas. J'ai pas le choix. Oh, c'est pas grave, tu sais. Ah, j'ai réussi. Sous la pression, hein. Merci. Mais pas bien non plus. Tu as bien visé. L'écoute pas. Bon, allons voir le reste. Ah ok, je crois que c'était Je peux recommencer? Tu vas remettre des trucs? Ah non, tu fais semblant de travailler. D'accord, pardon, excuse-moi. Je te laisse faire semblant, je comprends. Je crois qu'il est attaché le gamin. Au niveau de son ventre, il a un peu une bordure blanche. Là, je croyais qu'il était attaché avec ses mains. Genre, t'es puni, on t'attache, on te met devant tout le monde. Pourquoi je pense à ça, moi? En vrai, chelou. Bon, allez, on s'en va. Toujours hésitant de viser un trou. Ah, j'ai moins l'habitude que certains. Certains. Allez. Il n'y avait pas tout ça dans mon rêve, mais j'adore cet endroit. On se croirait dans un rêve, c'est vrai. Certaines îles sont de vrais petits paradis, mais elles restent fragiles. Oh, sois pas si déprimant. Ne me ramène pas à la réalité, je t'en prie. Un cheval! Des champs! Ah oui, d'accord, on a chacun sa prio apparemment, mec, hein. C'est vrai que j'ai entendu chanter. Ils sont là, ils vont sûrement commencer bientôt. S'il te plaît, Lucie, suis le rythme, d'accord? Pas d'improvisation. Je chante pour l'enfant des braises et il a besoin d'énergie. Mais pas autant. Bon, on se concentre, ça va bientôt être à nous. Dépêche-toi! C'était tellement bien l'an dernier. Tu crois qu'ils feront mieux? Je sais qu'ils répètent depuis des mois. J'espère qu'ils vont encore traverser la Grand Place. C'est le meilleur moment. La Grand Place, ça je connais la Grand Place. Au fait, qui est cette... C'est là où j'ai reçu mon diplôme. Sans doute une divinité locale. C'est la Saint-Jean sur le continent, le solstice d'été. C'est sûrement une histoire de fertilité et de prospérité. Est-ce qu'il est magique? C'est pas au feu de la Saint-Jean qui ont commencé à cramer des chats? Oui. C'est fou, cette bande de fous. Mais qui chante là-bas? C'est du public? Oh, des danseurs! Amicia, des danseurs! Oui, je les vois. Tu sais comment ça se danse, Arnaud? Tu m'as bien regardé. Arnaud, j'avais oublié son nom. J'aimerais bien te voir danser. Allez, va se tirer, Arnaud. T'as 30 ans de retard, mon garçon. Je vais t'imaginer, alors. Quoi, vite? Béni soit la mer. Ils sont là. Bonjour. Ah, bonjour. Sam, ça l'a réveillé. Baf. C'était lié, je crois, à l'épidémie de peste, hein. Ah non, bah non. Mais oui, je crois que c'est ça en plus. Attends, je dis pas. Attends, Sam. En vrai.
Je me demande si justement, il n'y a pas eu d'autant plus de rats parce qu'ils ont fait ça. Je m'en fous. Ah oui, d'accord. Mais je me demande si en vrai, il n'y avait pas un lien. Où il y a eu ce rituel chelou de le chat c'est satanique, toutes ces merdes là. Et où du coup ils se sont mis à cramer les chats et à les détester, à les tuer, machin, mais à les cramer en tout cas pour un rituel chelou là. Et je me demande si ça a pas justement empiré la. L'épidémie de peste, je me demande. Allons semer la pagaille autre part. Le chat était associé aux sorcières. Oui, voilà, c'est ça, bah, au côté. Maléfique, machin. Et que partout, il y a eu plein de trucs avec les chats. Il y a eu plein de trucs. Calme-toi, on va les rattraper. Bah, ouais, c'est ça, c'est forcément. T'as plus de prédateurs pour les rats, bon, bah, t'en as encore plus, hein, pour les souris. Oh, un attroupement. Mais en vrai, voilà, là, j'ai peut-être. Il me semble que j'avais vu un truc qui a ça, mais je saurais plus dire à quelle époque, machin. Il y a eu plusieurs épidémies de peste, de toute façon, donc. Mais je crois qu'il y avait un délire avec ça, ouais, en France. Où est-elle? Elle devrait déjà être là. Désolé, sire. On connaît pas lui, on est d'accord. Jamais vu avant, hein. Très bien. Oui. Comme vous le savez, je n'aime pas les discours. Le gros plan sur Arnaud qui dit ouais. Émilie, votre préfet sera bientôt parmi nous. Moi, je suis super attentif. Elle trouvera les mots justes pour inaugurer ses jours ardents. Pensez au gars qui parle tout seul devant sa télé. La mère du vénéré enfant des braises. Ah, mais du coup, c'est la maman de elle. Qui protège ses terres sacrées. C'est lui. Viens. Du fléau des rats et de la guerre. Les rats. Mais oui, c'est lui en fait. Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, voilà, c'est ça. L'enfant des braises depuis le début, c'est ça. On avait un marché. Appelle tes rats. Attends, quoi? C'était ça ton marché? Tu m'as sauvé pour qu'il assassine le comte en échange? T'es vivante, il y a un prix à payer. Non! Tu ne peux pas profiter de la naïveté d'un enfant et appeler ça un marché, Arnaud. Oui, bah quand il s'agit de te défendre, toi, tu veux bien appeler les rats, hein? Tu ne gâcheras pas tout. Mais merde, j'ai pas besoin de vous. Non! Arnaud! Mais la peste! Oh, il se la pète! Ça, c'est un boss de fin, ça. Je trouve. Par contre, je. Ah, je suis pas d'accord avec le monsieur en vrai. C'est vrai qu'ils ont fait un marché, qu'elle savait. Elle savait plus ou moins qu'ils voulaient se servir des pouvoirs de lui. Et après, qu'elle fasse sa fine bouche. Alors qu'on a quand même tué vraiment beaucoup, beaucoup de monde, je sais pas. Ouais, t'es assez innocent, et même, vu que les gens trimballaient quasiment autant de puces que les rats. Mais oui, c'est ça! C'est ça, hein, les autres bêtes, de manière générale, avaient plein de puces aussi, et les rats... Et les rats portaient des puces, effectivement... En gros, tu touches un chat, tu fais de la main. Tu vois, c'est pour ça. Ah ouais, j'avoue que ça, c'est... Ça ne finit jamais bien. Ça se passe toujours mal. Toujours. Pourquoi? On y retourne. C'est trop tard. Bah, tu changes d'avis maintenant? Parfois les choses tournent mal, mais tu peux les changer. Comment? Comme on l'a toujours fait. On se bat. On arrête Arnaud avant qu'il ne fasse plus de mal. Oui, non mais là, attends. Hey, par contre, sa girouette à la petite, là? Après, c'est peut-être lié aux choix que j'ai faits, qui sont peut-être contradictoires et qui font que, je sais pas. Les rats, sûrement, ouais, en ville, ça c'est clair. Et je crois que c'était là où ça se répandait énormément. Mais c'est sûr que de toute façon, en soi, les autres bêtes comportaient plein de puces de toute façon. Mais oui. Et d'où l'importance des chats. Hein. Je sais pas si par où je dois aller, mais j'imagine que c'était par là. Mais oui, tout à fait, la peste, c'était lié aux puces et pas aux rats en eux-mêmes. Oh, les puces. Il y en a qui s'étaient installés chez moi à cause de mon taf là, vu qu'il y en avait au taf. Ils s'étaient installés chez moi, c'était un enfer! Les démangeaisons de puces, c'est vraiment un enfer. Les plus fortes que j'ai jamais eues. J'ai jamais eu la varicelle après.
passer par-dessus. Je cherche les touches, c'est compliqué. Ici, vas-y. Va là-dedans. Ah non. Attends, LB. Je vais me concentrer, excusez-moi. LB. Interagir. Ah oui, d'accord, faut que je fasse... C'est vrai qu'il faut que je lui donne l'ordre. Je pensais que de base, en me mettant à côté... Hugo ? Selon de réparer, par exemple, j'en étais une limite éradiquée. Une telle densité de population et de règles, c'était mort. Ouais, bah... En même temps, c'est quasiment inévitable, quoi, non ? Ah, faut que je lui donne l'ordre, c'est ça ? Attendez. Excusez-moi, j'ai peut-être pas suivi un truc. Il doit pas m'ouvrir la porte, le petit gars ? Mais pourquoi il restait ? Bien, mets ton chariot en place. Mais je me moquais de moi là, il me regardait devant, il faisait rien. Tu crois que je t'ai pas vu rien foutre ? Mais au fait, pourquoi Arnaud s'en est pris au compte ? Il a dit que c'était de la faute du comte si son bouclier est cassé. Attends. Non, c'est un peu à cause de moi. Bien, mettons-nous au travail. La peste à l'époque, avant de vivre en armée, tu vois pas trop comment tu pouvais passer à travers. Bah. Ouais, clairement. Faut rien faire. À moins d'économiser. Soit j'économise, soit je prends un premier level pour l'arc par exemple que j'utilise très peu. J'ai pas trop envie, poche secrète, pas trop. Je vais économiser, c'était ça que je voulais. Ouais, ça je voulais. Et sur Diazem plus longtemps, c'est intéressant aussi. Et ça, c'était quoi ? Porter des couteaux et des... Ah ouais, les couteaux supplémentaires. Non, mais je vais économiser. Je vais économiser les matériaux, c'est pas grave. J'ai découvert trop tard que j'avais plus... Ah, l'arbalète, c'est ultime. T'as le développement de perso. Ouais, bah j'imagine, mais c'est vrai que... Vu que j'utilise beaucoup d'autres trucs parce que pour le moment, c'est pas dingue, bah c'est vrai que j'ai un peu du mal à m'intéresser. Mais je verrai, je vais économiser un peu encore. Je vais économiser un peu. Alors attendez, fallait que je monte, mais je sais plus où. Fallait que je monte genre... Quelque part en haut. Ah là, c'était ça le quelque part en haut. Longtemps, tiens, j'ai pas fait. J'ai fait ça. Ah, tu peux pas. Normalement, au début de l'aventure, je faisais un bisou à deux animaux que je croisais. Voilà. Allez, un bisou de loin. Ok. C'est bon, c'est fait. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je fais ce que j'ai pu. Allez, monte. On monte. D'accord. Bonjour, Pitou. Bien. Fais attention. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, Zam. C'est que le jeu nous pousse un petit peu dans certaines voies, ouais. Mais voyons ce qu'il contient. Mais en soi, je suis pas en difficile, je devrais tenter des trucs aussi. Mais il y a peut-être ça aussi. En difficile, l'arbalète est peut-être encore plus obligatoire tellement elle est puissante comparée au de la fronde, voilà, c'est le bruit de la fronde ça. Bon. Ah ouais ? Ils vont monter la garde ici. Genre normal. Oui, moi aussi. Mais je me dis, t'as peut-être plus intérêt à vraiment... Oh ! Mais ouais, mais on a pas regardé avant de tomber comme des grognulos, là. Il est resté pour tuer. Oh, il y a un oiseau ! Oh putain, il a un roux cool ! Il mourra avant que je vise. Toi, détourner l'attention du faucon. Oh merde ! Je vais essayer de l'attirer ailleurs.
Vous pouvez pas vous cacher. Là, attaque. Non mais vous avez vu la taille, ça c'est un dragon ça. Non on est sur du roucarnage là, je déconne. Non roucarnage, plus grand. On est sur du roucoups. Vous savez qu'on coupe, normalement faut le dire roucou. Comme un coup de poing. Voilà. Vous savez pas hein. Non vous avez. Alors le faucon agit rapidement à vue, restez à couvert autant que possible. Ok. Par contre je veux... J'arrive plus à me rappeler comment sélectionner mon arme rapidement. Comme ça. Ok. Mais arrête toi, c'est pas marrant. Vous avez enfilé, Nico. Allez. Allez, mais il est stupide. Comment ça il est stupide, hein? Il fait ce qu'il peut l'oiseau hein. Il a juste pas été dressé pour aller plus bas qu'une barrière. C'est-à-dire que s'il a une barrière sur son chemin, il doit faire une ligne droite. C'est son dressage. Ligne d'où ? Mon perso a pas développé ses... Ouais, c'est vrai que... C'est vrai que, en fait, les compétences se développent toutes seules. Ah merde, faudrait que je me dépêche, pardon, excuse-moi. Les compétences se développent toutes seules en fonction, finalement, de notre gameplay. Ce qui est pas mal. Mais ça fait qu'on comprend pas toujours quels actes poussent à quel truc. Et du coup... Et du coup, ça fait que à chaque fois, eh ben, on pense qu'en faisant tel acte, ça va faire tel truc et tout, ce qui n'est pas forcément le cas. Quand on améliore un truc, et ben parfois c'est pas le meilleur choix en fonction de notre manière de jouer quoi. Mais on s'en rend pas... Enfin, voilà, on décide pas de nos compétences donc c'est difficile un petit peu de se rendre compte. En fait je comprends pas. Ici là je suis complètement keblo je pense. Est-ce que le feu ça lui fait peur? Tu veux pas appeler tes rats toi? C'est chiant. D'accord, bon je croyais que ça marcherait mais ça n'a pas marché du tout. Ah faut que j'aille de ce côté là, ok. Tue ! Qu'est-ce qui te fait dire ça, le fait qu'on se cache très très mal et que j'arrête pas de sortir de ma cachette ? Il t'en faut pas beaucoup mec ! Oui c'est vrai qu'il fait nuit, il fait pas nuit je veux dire. Ah putain, je sais plus comment courir, alors je n'ose pas faire de touche tellement tout me ralentit. Info, Jack l'Éventreur s'est vissé encore quand Nintendo a été créé. Jack l'Éventreur n'a jamais existé. Non, en vrai, je... Si, enfin... Si, des bêtises. Mais Nintendo, c'est vieux, hein. C'est, ça vendait des cartes et des trucs pour adultes, je crois. T'as envie de dépenser au fur et à mesure, pas d'économiser. C'est vrai que vu que tu ne sais pas comment faire des compos trop facilement, tu peux pas en fait. Bah c'est vrai que t'as envie de tout dépenser. Putain ! Mais voilà, j'arrivais pas à courir et puis ça s'arrête, ça croupit, puis il m'énerve. On lui a associé des mortes. Oui, c'est ça en fait, c'est ça. C'est qu'en vrai, bon, c'est très fantasmé son histoire. Mais c'est que il y a probablement un tueur qui a existé, mais bah. Au moins il n'a jamais existé. Bah. C'est tellement fantasmé en fait qu'il y a peut-être eu juste un meurtre et puis après on a associé plein de trucs à Jack l'Éventreur. Hein. C'est même une théorie plutôt probable. Partons par où? Ah oui, pardon, je l'ai pas vu.
C'était méchant, cet oiseau. Où est cet imbécile, Tardo? C'est beau, ça. Moi, j'aime bien. Écoute, des oui. bruits d'épée. Ouais. Oui, vite. C'est quand même pas super bon signe. Et je vois qu'il y a des gens dedans. J'ai vu, hein. J'ai vu bouger, hein. On nous abandonne. J'essaie de courir, mais là, j'y arrive pas. Oh, ça m'énerve le fait que. Ah, oh, voilà, là, je peux. La course est tellement contextuelle, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on peut la faire, plein de moments où on peut pas. Oui, je peux, ouais. En plus, il a pas de casque. S'il te fronde dans la tronche. Bah, fronde dans la tronche, mec. Ah non, j'ai fait B pour passer, je voulais pas. Ah si, c'est ça. Non, mais. Franchement, Amicia, please, quoi. Mais pourquoi? Tu sais même pas. Non, non, attendez. Victor, arrêtez. Ah, enfin, il se passe quelque chose de... Emily. Il me fait penser à un acteur, lui. Ne vous emportez pas. Elle vous a aidé. Soyez sans crainte. Tu mets comme un débarque comme... Je tuerai ta catin contre. Tu sauras ce que c'est de perdre tout ce qui compte pour toi. Tu as toujours été une honte pour l'ordre des chevaliers. J'aurais dû régler ton cas plus tôt. Est-ce que ça va? Emmenez-le. Je m'occuperai de lui plus tard. Ah, je sais à qui me fait penser. D'où connaissez-vous ce Je pensais à l'acteur qui joue... Nous étions sur le même bateau et nous nous sommes parlé. Mais j'ignorais ses Qui joue le russe allié dans Stranger Things en dernière si saison. Si vous n'êtes pas voilà. des bandits, En chauve, du coup. Amicia. Et voici mon frère Hugo. Il a un peu peur. Rassurez-vous, plus de peur que de mal. Ces festivités célèbrent la vie et la paix. Accepterez-vous d'être nos hôtes pour le dîner? Il y a presque une... vous êtes sûr? Une deux ex machina. Emily a raison. Vous l'avez bien Ouais, ouais, c'est vraiment Deus ex machina, on a eu. Suivez-nous. Et puis elle arrive en mode posée alors que genre son mari là il a littéralement failli mourir, il y avait un gros bordel dans toute la ville, machin. Ah je crois que le 2 était volontaire pour un jeu de mots que j'avais pas compris, petit grisou. Un Deus, oui un Deus. Hugo, viens. Alors, comment trouves-tu ce balcon? C'est vraiment votre maison? Elle change carrément toute l'ambiance à son arrivée. Oui, elle réconcilie tout le monde. C'est incroyable. Venez, entrez donc. Et vous répandez des fleurs comme ça tout le temps? Waouh! C'est grand! N'est-ce pas? Et ce n'est qu'une petite partie du palais. Oh, voulez-vous quelques dattes avant de rejoindre votre chambre? Non! Des dattes? C'est quoi? Un fruit, Hugo. Je peux? Bien sûr. Merci, votre grâce. Doucement, Hugo. Allez, un fruit avec un noyau encore plus gros Tout que le fruit dedans. Ça va être solennel, mais je vous en prie. Ici, je ne suis pas votre grâce. Je suis la mère. Je suis moi, soyez-vous. Oui. Durant les Juste votre Dieu, en le fait. Bon peuple de la Kuna ne Alors? J'adore! Un bon vivant. Non mais arrêtez de faire genre vous êtes pote avec Hugo pour après faire Nawak. Dites-moi, d'où venez-vous ? Moi je fais pas genre je suis pote au moins. Nous avons fui la guerre et la peste. Nous sommes venus ici pour trouver... On a dit que c'était dénommé au Game Awards. Et on nous a parlé de cette île. Vous avez déjà fait de Enfin moi j'ai pas. J'ai pas vu. C'est en décembre ça, non ? Après toutes ces aventures. C'est incroyable. Ah non mais moi il va se passer un truc hein. En vrai je suis sûr... Mais, non mais c'est sûr si Arnaud il a fait... Il voulait le tuer c'était pas pour rien et ça va être une... Ça va être une petite bièche, là, le mec, là. C'est sûr. Il a fait des trucs. Tout de suite, mère. C'est sa maman ? Une petite peste, plutôt. C'est symbolique. Et voici nos jardins. Oh, c'est trop mignon, ça. Mon endroit préféré. Splendide. Oh, ils ont enfin nettoyé les bassins. Oui. Ne sont-ils pas jolis ? Manque de poissons. Comme les miens, comme mes bassins dans Planet Zoo. Vous êtes bien jeune pour un si long périple. Ah, c'est tu allumé ça. Où sont vos parents? Oh, maman est quelque part. Mais papa a été tué. Par qui? Comment? Pourquoi? Victor, ne soyez pas si martial. Vous me connaissez. Viens près de moi, Hugo. Oui. Non, mais je les aime pas du tout. Eh, je les aime pas du tout. Pas d'ici.
mais nous avons réussi à les faire pousser. Et elles sont très belles. On leur donne beaucoup d'amour et d'attention. Elles sont comme nous. The Devil Chronicle, tu connais pas, Sam ? Un JRPG. Et nous avons besoin de bonnes terres, d'amour et d'attention. Cette île peut t'accueillir si tu souhaites grandir ici. Mais c'est ta grande sœur qui en décidera. N'est-ce pas, Amicia ? Merci infiniment. Je regarderai la liste des camos. Vos mots sont pleins de bonté. De non, non, mais je les... franchement, je les sens pas chose. Du tout. Victor ? Bien sûr. Viens, Hugo. Ah bah, c'est un JRPG. Après, je suis pas très JRPG, mais je connais au moins, quand même. Au moins deux noms, quoi. Et je connais un peu la tronche d'un des héros. Qu'il nous revienne un jour, tel qu'il est écrit. Il y avait un partenariat avec Breath of the Wild. Son père. Au bon peuple, nous le prions, non pas comme un dieu, mais comme notre enfant. Jeu de l'année, A Plague Tale, God of War, Elden Ring, Stray, Xenoblade Chronicles. Bon, bah, ok. Je pense que quand même, ce sera assez largement Elden Ring. Un jeu Switch Only, je peux pas connaître. Oui, non, mais c'est, ça date pas que de la Switch, hein, l'Exonable. Dormi, nous l'aimons, nous le vénérons pour raviver sa flamme. Il y a une bonne cote de popularité. Ouais, c'est vrai que j'en avais entendu du bien. J'avais entendu beaucoup de bien. Et je me rappelle quand j'avais eu la Wii, il y avait eu un Exonable qui était sorti, il y avait la pub qui passait, la pub donnait grave envie. Accepteriez-vous voilà. De prier avec moi, à votre manière, si vous voulez. Bien sûr. Hugo ? Je vais prier l'oiseau. Oui, vas-y, prie le roucoups, là. Une humble flamme pour éclairer sa nuit. Puisse-t-il s'élever un soleil, un fils ? Oui, bah voilà, il était sur Wii. Bah, ça devait être le tout premier Xenoblade Chronicles dont je voyais les Merci. Chronicles. Quand j'avais vu la pub. Pouvons-nous continuer ? Pardon, mère. Pouvons-nous prendre un instant et prier pour notre père ? Hugo ? Ah. Oui. Bien sûr, je comprends. Je les sens pas du tout, moi j'aime pas, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un horrible piège. Cher papa, Hugo, c'est vraiment ton oiseau. C'est indiqué une immense sur Nintendo Switch. Non mais oui, ce jeu-là, Sam. Mais c'est comme dire... Son bec est pareil. C'est comme si tu disais, bah Mario Kart, c'est que sur la Switch. Oui, celui-là, mais pas les 15 qu'il y a eu avant. C'est ça qu'on te dit, c'est juste que je te dis juste que c'est pas récent. C'est juste ça. C'est tout. Et que t'aurais pu connaître parce que le jeu, il a, enfin la licence a maintenant une petite quinzaine d'années, quoi. C'est notre secret. Facile. Mais voilà, ouais. Exclu Nintendo, tout à fait, ouais. Est-ce que tout est prêt pour demain ? Oui. Les nouvelles robes sont splendides. Ce sera parfait. Excusez-moi. Oh, êtes-vous prêt ? Oui. Ma foi, nous sommes... J'ai une Nintendo, j'y connais rien, par Mario, quoi. Heureux. Ah, c'est dommage. Que vous ayez prié l'enfant avec un tel entrain. Chaque enfant porte en lui l'avenir du monde. Un seul enfant peut tout changer. C'est absolument vrai. Nous y sommes. Je les sens pas, je sais que je passe mon temps à le répéter, mais je vraiment ça va pas le faire. Il va se passer des trucs. C'est beaucoup trop. Mais non, vous êtes nos invités. Un festin nous attend. Ouais, soir. Ouais, c'est une prison dorée là. Chut. Oh, il part. Il faut vous trouver des vêtements propres. Vous avez dû faire un long voyage. Ils nous ont accepté beaucoup trop facilement et tout est parfait. Vous et... allez tuer Arnaud ? Hugo. Il sera jugé. Et on sait pas ce qui mijote. Comme tous ceux qui agissent mal. Et il n'est pas en reste. Mais tu pourras témoigner à son procès si tu le souhaites. N'y pensons plus. À votre avis, à quel moment ils vont nous... Désolé pour le terme, mais à quel moment ils vont nous enculer ? Les jours ardents sont vraiment une... Parce qu'on sait que ça va arriver, là. On le sait, je le sens trop, là. Merci. Gentes dames. Même si, bon, lui, niveau enculade, il pense à autre chose, là, mais tout de suite. Mais, franchement, il va se passer des trucs. Je veux tellement que ce soit Elden Ring. Allez sauter dessus. Horizon. Oui. Peut-être, serait à la fois. Je sais pas où Maxenable. Vu que j'en ai aucune idée de ce que c'est. Oui, bah, écoute, renseigne-toi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? On a compris que tu savais pas, mais bon, je sais pas quoi te dire, quoi. À part, bah, si ça t'intéresse, faut te renseigner. Si ça t'intéresse pas, bah, te renseigne pas. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ah là là.
Les jouets pour adultes à l'époque? Je sais pas. Ça parle de licorne dans, dans The Witcher 3. Une licorne en bois. Hardcore quand même comme jeu. Viens ici, petite marmotte. Allons, c'est juste le soleil. Oui, bah ça pique quand même les yeux. Regarde. C'est magnifique. Waouh, c'est... c'est... comme un rêve. Oui. Je ne dis pas, c'est en prenant forcément un prono incomplet. Je peux pas le caser. Oui, mais je sais pas ce que tu veux qu'on te réponde. Saut, en fait, en utilisant ça. C'est sûr tout ça. À part OK. C'est bon ici. Amicia, on va jouer. Hugo. Ouais, j'ai complètement oublié Horizon aussi. Effectivement. Si. Allons-y. Non, mais c'est bien qu'il y ait un JRPG. C'est bien, c'est bien. Non, mais ça va être Elden Ring, hein, les petits loups, je pense. Hein, quand même, non? Je pense, hein. Genre... En fait, Elden Ring, pour moi, ça... On parle du jeu de l'année, hein. Pour moi, ça révolutionne quand même beaucoup de choses. Enfin, il y a un côté petite révolution avec Elden Ring, d'après moi. Je pense pas que ce soit le cas avec... avec God of War. Après, je sais pas... En vrai, je sais pas comment c'est décidé. Est-ce que c'est un jury et un peu le public? C'est ça? Mais le problème, c'est... Ouais, je sais pas. Mais bon, j'ai du mal à me dire que ce sera pas Elden Ring. J'avoue que je le comprendrai à moitié. Et ce trait Plactel que j'ai fait, qui sont... Bon, on pourrait être très, 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 très sympathiques. Par rapport... si ça avait été une année vide, c'est des jeux qui auraient bien pu se démarquer. Là, c'est pas une année vide en bon jeu. Donc, pour moi, effectivement, ce sera pas jeu de l'année. Je pense que c'est assez clair. Mais... entre Elden Ring et God of War, ouais, je pense quand même. Ça me paraît très bizarre que ce soit God of War. Malgré toutes ces potentielles qualités, je dis ça en ayant vu qu'un tout petit peu de stream, puisque je veux pas me spoil au cas où je veux le faire. C'est celui que je visitais en même temps, puisque c'est très très joli. Je regardais un petit peu si je pouvais passer à des endroits pour voir des coffres et tout. Bon, y a pas de coffre, y a pas de truc en même temps, c'est bizarre, mais c'est très très beau. On va regarder la vue de là. Oh, regarde-moi ça. Je compte sur toi, d'accord? Si tu vois quoi que ce soit. Oui, je reste à l'affreux. À l'affût. On dit rester à l'affût. Il faudrait que je fasse le premier, oui, tout à fait. C'est moins bien. C'est... Oh, là, je l'ai eu en jeu, hein, le freeze. Oui, hein. Sachez que c'est pas bien. Que vous. Il est pas mal, j'ai beaucoup suivi les gameplays. Ce que je regarde, je regarde en VOD pour avoir tout le scénario. Malgré les gens... qui s'extasie en disant que c'est totalement fou, j'arrive pas à m'extasier autant. Peut-être qu'après au niveau du lore, il a vraiment beaucoup... il développe beaucoup de trucs qui plaît beaucoup aux fans. Et c'est vrai que je pense que c'est un des gros points forts, j'imagine, du jeu, c'est le développement un petit peu des personnages, de leurs relations et de leur histoire, j'imagine. Tu serais une comtesse. Oh non, trop de responsabilités. Mais oui, moi aussi, en fait, de ce que j'ai vu, j'en ai pas fait énormément parce que je me suis dit, je vais me garder la surprise au cas où je veux le faire. De ce que j'ai vu, c'est juste, je pense, une bonne suite. Et voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que je l'ai pas fait, j'ai pas fait God of War. Donc, bah, dites-moi, je pourrais pas. C'est plus cette impression. Il va faire très chaud aujourd'hui. Mais God of War, on peut le. Est-ce qu'on peut, en vrai, ça se. C'est un Souls, en fait, un petit peu dans le style. Il y a un côté un peu Souls. C'est-à-dire vraiment Die and Retry avec des boss très durs et... J'imagine même pas devoir porter ce casque. Eh ben, les choses ont été compliquées en port, alors. Ouais, et des capacités à développer un peu comme un Souls aussi. Voilà, avec une mort assez punitive, quoi, non? Quoi que la mort doit être moins punitive que dans les Souls, remarque, mais... Un garde, ça? Il n'a pas l'air d'un garde. Il a sa pochette qui est très très bien placée. Il a sa petite bourse devant ses bourses. C'est presque mignon, monsieur. Ça se voit que le comte est riche. Pourquoi? Ah. Il a trop de bassins chez lui. Donc le comte est riche, pourquoi? Il y a mille raisons. Hein. Allez, j'avance, excusez-moi, on va demander au garde.
L'ambiance et le scénario pas mal, oui. Puis c'est vrai qu'il est très joli. Bonjour. Gameplay est peut-être un peu classique. Bien sûr. Rien de fou. Ok, ok. Profiter des jours ardents. L'histoire est vraiment bien, comme cette Horizon Forbidden West d'ailleurs. Ouais, je l'ai pas fait, du coup, c'est vrai que j'ai pas de... J'ai l'impression qu'il a moins marqué, celui-là, en tout bien cas. Dormi. Je trouve ultra répétitif. Sophia, bonjour. Contente de te voir. Part de compétences pas foufou. Comment as-tu super joli, l'or est cool, mais voilà. Ok. Ok, ok. C'est je vois. L'histoire de ma vie, trésor. L'éternel. Fumer, tendre l'oreille et en tirer parti. Ça m'a permis de retrouver la trace d'Arnaud en prison. Oui. Ce fumier. Il nous a trahis. Ok, d'accord, merci Grigion, je comprends un peu mieux. Le... Pas tout à fait un soulte, mais il y a un délire avec des boss très... Alors, est-ce que tu serais plus utile que t'en as l'air ? Très dur que tu peux faire. Je ne plaisante pas, Sophia. Arnaud a beau être ton ami, il a bien failli nous faire tuer. Oui, non, mais il est peut-être même mort, toi. Vous avez donc passé la nuit à fêter sa capture avec le comte de Provence et son épouse ? Oui, c'est complètement ça ! J'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je ne m'incline devant personne, Sophia. Ouais. Nul comte, nul roi, personne. Il n'y a que lui qui m'importe. Très bien, c'est un point sensible. Je te taquinais. J'aime savoir qui sont les gens que je fréquente. Et ton discours me plaît. Non, je vais savoir la fin. Ok, mais c'est bien. Ça veut dire que, voilà, au moins, effectivement, le scénario est bien foutu. Ça, c'est cool, c'est un bon signe. Très, très bon signe. Il y a des je jeux, suis promenée un peu ce même matin. Si le scénario est très vous présent, vous comptez aller la fin non. peut ne pas en être très temps, importante. Le soleil enfin, brille. Je sais pas comment dire, parfois, on peut avoir un scénario qui devrait être très important pour l'histoire, mais où, pour une raison ou pour une autre, c'est pas ça qui te fait accrocher, c'est d'autres trucs, quoi. God of War, ça pourrait être ça, par exemple. C'est cool que le scénario c'est soit... Pour ça, qu'on n'est pas encore en prison. Ça m'intéresse beaucoup, du coup. En de ces quatre, je verrai. Pour au moins faire le premier. Tantôt. J'aimerais tellement finir Elden Ring. J'aimerais tellement. Et si y'a Monsieur Deluxe prison, là. Il reste du temps. La fête aura lieu ce soir. À mon avis, ils n'ont même... C'est la Guy. Ouais, ben j'ai des frises, hein, mais je crois que j'en ai toujours, en fait, sur ce jeu. C'est juste que ça reste beaucoup plus supportable qu'avant. Mais... Tiens, rien. Tu as raison. Ah oui, parce que je l'ai fait un milliard de fois. C'est... Celui que t'as vu en rêve. De tes types que j'ai déjà appliqué 100 fois. Presque. C'est bizarre. On dirait qu'il regarde quelque chose. Ah, c'est le phénix. Une chasse au trésor. C'est le phénix, c'est le phénix. Déjà. Eh bien, suivons son regard. Donc, ouais, bah je... Ça je sais, Sam, qu'il y a des frises, malheureusement j'ai dit en début de stream qu'il y en avait quand même. Avant même mais je crois que j'arriverai pas à un résultat mieux. D'accord, pourquoi pas. Là pour le coup, je sais pas hein, vraiment ce qui fait que... Je sais que je l'ai pas avec tous les jeux, heureusement. Hein. Mais c'est quand même moins pire que la semaine dernière, du coup ça me console un peu quoi. La semaine dernière c'était vraiment pas agréable, là j'arrive à regarder. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus, mais... Voilà. Me dis si en tant que mince, si en tant que public, si en tant que joueuse, j'arrive à regarder, c'est que ça reste à peu près supportable. Oui, ça sent... Mais je suis d'accord, chaud. C'est fait jamais chaud, pas optimal. Pas comme ça en tout cas. Je veux bien le croire. Et je pense que ces petits frises, je les avais peut-être même dès le départ, et je m'en étais pas rendu compte vu que j'aurais pas. Enfin voilà, si je fais pas forcément si toujours attention à ma capture sur les vêtements et le tissu. Sur le ton. Comme ça, on sent bon les fleurs. Tout à fait. Elle a 80 ans, là, celle qui a fait la voix de la petite. Comme ça, on sent bon les fleurs. C'est assez énervant. Ouais, bah c'est disons que... Ce qui m'énerve, c'est que plein de gens qui connaissent très très bien ont pas du tout la bonne solution. Je comprends, hein, mais le nombre de gens qui m'ont dit « Bah non, mais ça doit être ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, j'ai essayé plein de trucs. » Non, je vous ai dit, c'est pas lié à ça. Regardez-moi cette beauté. J'ai l'impression d'avoir un problème que personne n'a jamais eu avant. Ça, c'est insupportable. Alors que si, évidemment que si. Mais il est tordu. Il est malade. Au contraire, il est fort. Il s'est adapté. C'est vrai que punaise. Il a pris cette forme avec le temps. Il a dû voir tellement de choses. Lui aussi a des cicatrices. Je l'aime beaucoup. Dis-le lui alors, il t'écoutera. Je t'aime. Et je suis sûre que lui aussi il t'aime. Capture l'écran et pas le jeu. Marche pas, donc déjà c'est avec Amouille, ça marche pas, ouais.
Bah moi je faisais que du capture d'écran pour ça, mais en fait ça m'a fait d'autres petits soucis techniques du coup, bon. Voilà, on reste comme ça. Petit En fait les frics sont là mais ils ont l'air d'être moins réguliers, ce qui rend le truc moins pire. Mais bon. Moi je suis persuadée que c'est lié à ma webcam. Je saurais pas dire pourquoi, je... Ce qui n'a pas de sens, parce que tout le monde a cette webcam. Enfin, tout le monde, plein de gens. Juste encore quelques tuiles. C'est rigolo ça. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Salut. Ah oui d'accord. Du coup, on passe tranquille. Tu es prêt? Oui, presque. Je ne veux pas rater la cérémonie. Longue vie au comte Victor et à la comtesse Émilie. Non, non, mais c'est pas lié à l'OBS, ou alors j'aurais des problèmes avec tous les logiciels qu'utilise ma caméra et qu'utilise mon capture d'écran. Donc avec Teams, avec Discord, qui ont... C'est aussi un logiciel qui peut te permettre de stream, enfin tu vois. OBS et Streamlabs, les deux... à dire que je vois pas trop pourquoi eux deux s'opposeraient. Alors qu'avec Discord, bah il y a exactement la même fonctionnalité par exemple quoi. Dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'ai rien installé et c'est pas le cas des autres streamers. Attends. Donc c'est qu'il y a bien un truc qui peut être réglé. Ils existent déjà. Attendant un nouveau souffle. L'appel de la foi. Enfin bon. Loué soit l'enfant. Soufflé sur son lit de braise. C'était... Qui ça, mais... J'y connais vraiment pas grand-chose. Enfin, je me rends compte que j'y connais vraiment pas grand-chose. Il faut peut-être que j'aille là-bas pour avoir un haut fait. Allez, je vais là-bas. Je vais essayer de redémarrer. Bah en vrai, la dernière fois, c'était aussi en partie pour ça. Il fallait que je redémarre aussi. Hein. Ça m'a aidé. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc en soi, pas le pire conseil, loin de là. Les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants viennent ici pour être bénis. C'est touchant. J'ai entendu dire que c'est la comtesse qui a initié tout ça. Elle est tellement gentille. Non mais arrête, elle est pas gentille, c'est sûr. Ils ont l'air de s'aimer tellement, c'est... Gênant. Inattendu, je dirais. Non, c'est plus qu'il y a une tension sexuelle, c'est pas que de l'amour là, c'est de l'excitation. Bisous pour le cheval. Les fleurs sont sublimes cette année. Oui. Ça sent, voilà. Sont la vie ça sent la période où la nana pouvait pas trop faire de bisous. Ils sont... C'est la fin de la semaine, là, ça va pouvoir. Ils en peuvent plus, quoi. Ça fout pute tout, je... C'est bien par là, en vrai, hein. Parce que j'allais par là parce que j'avais envie, mais je sais... Comment font-ils pousser autant de fleurs? Peut-être que cet enfant des bases a vraiment un pouvoir sur cette île. Meilleur genre de Stray et Cult of the Lamb. J'ai préféré Cult of the Lamb quand même. L'or, ça sent pas bon. Stray était touchant et cool à faire. Merci beaucoup. Mais ça reste basiquement un peu un jeu de plateforme, en fait. Là où Cult of the Lamb mélange, est un mélange de genres qui m'a tellement plu. Et puis bon, il y a un peu plus à faire, quoi, quand même. Après, niveau histoire et niveau côté touchant, bon, Stray gagne quand même, hein. Notamment l'attachement des personnages que tu n'auras pas avec Cult of the Lamb. Enfin si, je me suis attachée, c'était mes viewers, alors si, j'étais ultra attachée. Y'a pas de truc à trouver dans les fleurs? Genre une fleur? Pas jouer avec Cult, ça me tente pas. Ouais, mais ça je comprends, parce que c'est par contre des styles de jeu qui sont un peu... un public pas spécialement ultra... Enfin... Voilà, c'est un peu un côté roguelike sans que ce soit totalement ça, un peu un côté gestion sans qu'il y en ait tant que ça. Donc c'est un mélange un peu chelou qui convient pas à tout le monde, donc clairement. Yes. Ah d'accord. Et ça je comprends tout à fait que ça tente pas tout le monde, hein, complètement. Là où Stray, bon bah va parler à beaucoup plus de monde aussi, déjà c'est un petit show. C'est quoi ces choses dans le ciel ? Rien que ça, il y a un bonus énorme. Vous n'en avez jamais vu ? Non,
En fait, c'est comme de minuscules voiles de bateau. De loin, j'avais l'impression que c'était des lanternes. Tu peux voler si t'en as. Ou des gros ballons. Non, même pas toi. J'en veux un. Hein, plein de cerfs-volants, ça peut s'arranger, gamin. Ah, ce bois est tout humide, non? Oui, mais je vais y arriver quand même. Ok. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai une excuse imparable, j'ai un char... Mais c'est vrai, non mais c'est con, hein, c'est... Ça marche. Ça marche de ouf. Tout attend. Aucun enfant. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'il ait fallu attendre aussi longtemps pour avoir un jeu un peu... un vrai jeu où on incarne un chat. Genre, j'en ai... Non, ça va. On a beaucoup marché. À part d'éventuels petits jeux à la con que je connais pas, je crois qu'il y en avait pas, hein, avant. Mais elle est belle. Je l'adore. Tant mieux. Ça n'a pas été facile, mais on a bien fait de venir ici. Je fais bien déjà un dit dont personne ne parle et qui sont pas et qui sont top. Pardon, j'ai rajouté un mot, je sais pas pourquoi. Oui, oui, bah c'est vrai que même moi je me renseigne pas assez sur, sur les jeux indés en soi. À part des simulateurs à la con, ça par contre je me renseigne à fond. Bonjour à vous. Bonjour. Pas de bagarre aujourd'hui. Tout est calme. Béni soit l'enfant. Béni soit ce jour. Faut que j'aille par où? Ah, ça m'énerve, attendez. Suivre les statues. Oh, mais quelle nouille! Suivre les statues d'oiseaux! C'est peut-être par là-bas alors. Vu qu'on discute des jeux de l'année et tout ça, bah je suis pas concentrée. Voilà, bravo Lox, bravo. Statues d'oiseaux, ici. Salut Mervateur, c'est N10! C'est que c'est la meilleure, au sens en fait. Intrigant. Eh bien, allons voir. Ok. Désolé, hein. J'étais vraiment très dissipée. Hop là, gamin, vas-y, passe. Ah non, c'est moi qui passe. Dites-moi qu'on y est. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des colonnes. C'est si beau. Un petit coulisses. Sacrée trouvaille. Une sorte de théâtre antique. Ah ouais, du théâtre, ouais. Tout à fait, ouais. Important. Il y avait un coin un peu comme ça dans le premier, mais grand, dans une cour de château ou je ne sais quoi. Voyons où on doit d'ailleurs mettre jouer avec des pièges ou des trucs pour passer sans que Léra puisse passer, là, tout ça, tout ça. L'oiseau. Et leur enfant des braises. On en verra peut-être plus sous ces herbes. On va devoir les couper. Ça serait trop long. Je dois pouvoir nous en débarrasser d'un seul coup. Tu vas les brûler, espèce de pyro girl. Ça va marcher si je fais ça? On y est, Hugo. Ton oiseau nous a montré la voie. Vampire Survivor dans le meilleur premier jeu indé. Oh mais oui! Stray aussi. Attends, Stray, il y a aussi dans premier jeu un... meilleur premier jeu indé d'un studio, c'est ça? Mais Stray, c'est pas le premier. C'est une carte de la Kuna. Du studio. Très ancienne. Oui, c'est sûr. Elle a plusieurs siècles. Ah, Survivor, trop bien. Non, franchement, cette année, il y a trop de jeux qui m'ont plu. Il y en a encore qui me plaisent là. C'est le dessin. Quel dessin? Regarde de haut, meuf. Mais Stray, c'est Annapurna. Annapurna, ils ont déjà fait... Le dessin de l'ordre. 12 minutes, il me semble, non? Oui, je le vois. J'ai bêtise. De quel ordre? Hot Punk. Un ordre d'alchimiste. Ce jeu, lui aussi, un pixel game qui sort bien développé. Tu lequel on s'entend pas. Sur le bateau. On a beaucoup aimé. Mais je vais en faire un peu dans le genre la prochaine fois. Ce n'est pas contagieux. Pourtant, l'ordre voulait enfermer mon frère. L'étudier comme bon leur semble. Bah, ça se comprend, t'as vu tout ce qu'il fait comme dégâts? Je comprends. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez ici? On cherche un moyen de le sauver. C'est simple. Si ce symbole indique des emplacements importants... Celui-là. Ah,
c'est pas le développeur, le tournoi, c'est l'éditeur. Eh bien, celui-là, on peut pas vraiment le manquer. Mais Vampire Survivor, c'est trop bien, hein. On les appelle Las Madres, les deux mères. Oh. Ouais, pas terrible. Ça a du sens. Dans ce cas, allons voir ces deux mères. C'est Dan. Tu viens avec nous? Oui, je vous dois bien ça. Je vous suis jusqu'au bout. Bah, elle nous doit rien du tout, en vrai. Alors, allons-y. Oui, on va faire de l'escalade. La vue d'en haut doit valoir le détour. Franchement, le concept a tellement bien marché que maintenant, on trouve plein de roguelike qui sont sur le modèle de Vampire Survivors. Alors, bien sûr, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est complètement lui qui est ce jeu-là qui l'a remis au goût du jour. Et j'ai vu un truc qui brillait là-bas. Ah, trop bien, toi. Non mais contrairement à l'année dernière où j'étais assez déçue de certains trucs, là je trouve que voilà, les jeux nominés ont leur place en tant que nominés pour le moment de ce que vous m'avez cité. C'est mon humble avis de personne dont on se fout de la vie. Donc, allez, déjà je me dis bon. L'année dernière, je vous avoue que pour moi, ça méritait pas un GOTY, le machin avec les poupées là. Vraiment pas. Enfin, pour moi c'était un bon jeu, et voilà, un bon jeu. Ça méritait pas un GOTY. On monte. Oui. Mais ça tu coufounes ! Ça va ? Mais ça va être cute et toi ? Il y a une maison dans les dents. Machin avec les poupées se résumer. Oui, parce que le nom, il texte tout. Un sanctuaire. J'ai entendu quelqu'un en parler. J'avais tout Point Campus en tête, parce que je savais que c'était un nom en trois mots, avec des T. Ça a l'air si joli. Merci, je me calme, et bah tant mieux. Bon, il y a toujours un peu des frises, hein, mais écoute, c'est à peu près regardable normalement. Donc on va continuer comme ça, et puis on verra. Mince, attendez, je vais par là, mais Las Madres. Alors, Las Madres. Donc, on a un oiseau magique, un ordre ancien d'alchimiste, le petit qui a des visions. Non, vraiment, je dois m'attendre à quoi d'autre? La maladie d'Hugo est particulière. Notre mère est alchimiste, mais elle n'a rien pu faire. C'est un peu comme une malédiction. Qui pourrait maudire ce charmant bambin? Par contre, vraiment, alors ça j'ai déjà dit, hein, mais j'ai vraiment la sensation que ce jeu avait été à la base fait pour être fait à deux. On est constamment suivi, si c'est pas par le gamin, par un autre personnage. Constamment. Je sais pas, c'était pas comme ça dans le premier. Quoique si, un petit peu en fait. Au fond, je voulais l'histoire très sympa aussi, mais ça m'arrêtait pas aussi. Oui, c'est ça, c'est que c'est franchement, je dénigre pas ses qualités, mais je vais en faire un GOTY, quoi. C'est injuste, mais c'est réel, Sophia. En Guyane, c'est pour ça que l'inquisition. Ah ouais, le concours, ouais. On a pris concours, apparemment, c'est toujours joué d'avance. Hein. Ils ont tué tout le monde. Mais j'y connais pas grand chose. D'accord, on va trouver ce que vous cherchez. Mais je où promets. Merci. Las Madres, c'est où? Parce que j'écoute pas, j'avoue. Attendre Las Madres. Oui, j'ai hâte de rejoindre le festival. Moi aussi. On va voir là-bas. Diablo Immortal dans jeu mobile de l'année. C'est vrai que j'en ai absolument pas entendu parler. Hein. Les jeux mobiles... Quand je me renseigne à chaque fois, ça tombe toujours sur les mêmes, alors ça me saoule. Ils existent déjà. Et si Las Madres? Non, c'est pas là, Las Madres. Las Madres. Si je vais ici, il se passe rien? Non. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je suis venue ici, mais c'était pas ici. Du coup, le tenir non-stop, j'ai envie de le pousser hors de la route. Mais oui! Et puis vraiment, c'est très chiant qu'on puisse pas, pour certaines actions, lui dire... White, juste attends un petit peu, assieds-toi,
pause là, je fais mes trucs. C'est ça la phase. Bon. Des moulins. J'ai un billet qui est dans les des gothiques. Ou quoi? Vraiment? Dis-moi, ah oui, non, pardon. Oui, bah. Pourquoi pas, hein. Avec des drôles d'épées boucliers qui tournent. Ah, moi, je ne vois que des machines à moudre le blé. Moi, je mobile, c'est quand je vais faire caca. Non. Alors oui, mais bon. Le mobile, c'est devenu une petite console portable, alors c'est bien de récompenser certains jeux qui arrivent à y développer des trucs, hein. Mais mais j'avoue que... punaise, je pense que dans la masse de jeux qui sortent, qui sont de studios qui ont l'habitude, qui sortent plein de jeux, et ben toi, t'arrives avec ton petit jeu à concept, t'as eu le budget pour faire ton jeu mobile, tu sors là-dedans... Je pense que t'es tellement noyé que ça va être tellement, tellement dur. Même quand j'essaie de chercher des trucs, c'est toujours les gros jeux ultra... ultra connus dont t'as vu des milliards de partenariats sur YouTube qui me sont proposés et... c'est pas, souvent pas les jeux qui m'intéressent. Non mais, y a des jeux... Voilà, il y a des jeux qui sont que mobiles qui méritent aussi peut-être d'être mis en avant, tu vois. Donc, moi franchement, sur le principe, je suis pas contre. Du coup, je démonte tout chez les gens là. Ils ok. Là par exemple, je vois pas lui dire attends, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Et l'appeler après. Ah bah non, parce qu'il pourrait pas grimper. Ah, mais même. Et pourquoi je fais ça, moi? Pour arrêter le moulin. Ah, j'ai eu des fragments. Non, mais non. Ah! De vous tous et toutes. Du coup, je fais ça, pourquoi? Franchement, je fais ça. Qu'est-ce que je fais, là? J'écoute, excusez-moi, je vais me concentrer sur le jeu. J'en peux plus, je comprends pas. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je rentre dans un moulin, j'embarque le gosse avec moi, puis j'arrête le moulin, puis je m'en vais. Une manifestation contre le non-bio, c'est... Parce que tu peux. C'est exactement ça. Je remets en marche quand même. Ah, oh, ça me fatigue. Faut que j'aille à l'asthme adresse et je sais pas où c'est, mais j'imagine que c'est là où j'étais avant, donc faut que je rentre en fait, non? Mais en multi, Call of Duty Modern Warfare 2, apparemment il est cool, j'ai entendu beaucoup de bien. Multiversus, ouais sympa. Overwatch 2, c'est le 1 quoi. Splatoon 3 j'aime bien mais c'est le 2 du coup, quasiment. Yes, Mutant Ninja Turtle. Ok. Je vois pas trop lequel est au-dessus des autres, ouais pareil. Franchement pareil, là c'est difficile. Teenage Mutant Ninja Turtle, en vrai je m'en beaucoup le tester avec des potes mais pour moi c'est quasiment un party game quoi. Moi je sais pourquoi mais je te dirai pas. Bon bah on verra, je m'en fous, je verrai ça plus tard. Lui regardez là-bas.
Las Madres. Faut que je rentre ou pas? Attends, je vais essayer de rentrer, on va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, tant pis. Bonsoir Lost et le chat. Oui, j'y suis Lost. Parce que je suis perdue. Effectivement. Oh, il y a quoi là-bas? Laissez-vous! Désolée, je suis dissipée, j'arrête de me dissiper. Voilà. Il fait des bisous. Vraiment, ce que je dis ici est vraiment mauvais. Ah, d'accord. Je sais pas. J'ai juste vu quelqu'un qui s'éclatait dessus et qui disait qu'il était cool et qu'il était content de l'avoir. Voilà. J'ai cru voir que Gilo avait envie d'y jouer aussi. Moi j'y connais R au quoi vu qui. Du coup, je suis pas d'avis. Lox l'est disparu. IPP, silence, IPP. Non, mais écoute, meilleur jeu multi. Allez, direct, ce jeu auquel j'ai le plus joué dans tous ceux, dans les trois que j'ai joué, c'est Overwatch parce qu'il est. Que j'aimais bien le 1, mais en soi, pour moi, c'est pas du tout un nouveau jeu, quoi. Splatoon 3, bah, c'est quand même des bons jeux, c'est juste que je regrette un peu. Voilà, c'est quand même plus sympa d'y jouer avec des potes, mais c'est un bon multi, mais pareil, je trouve que très proche du 2. Mais au moins, c'est quand même un nouveau jeu pour le coup, alors qu'Overwatch, on peut pas vraiment dire que ce soit le cas. Et Multi versus, bon, bah, c'est quand même très très proche d'un Smash, donc encore une fois, un truc déjà vu. Sur beaucoup beaucoup de points, mais il a le mérite d'essayer de proposer bah, déjà d'un truc gratuit. Avec un gameplay assez nerveux et tout ça, donc il est pas fini après, donc moi j'attends le mode tournoi en multiversus. Adaptation cinéma série Arkane Cuphead Jump, Cyberpunk Edge Runner, Cuphead Show, Sonic the Hedgehog 2, Uncharted, mais tellement Arkane x 1000! Tellement Arkane x 1 million! Arkane, c'était trop cool! Uncharted, j'ai vu, il venait ce qu'il. Ouais, il a l'air. Enfin, c'est. Après, moi, je connais très mal les Uncharted. Mais bon, ça va être comme tous ces jeux-là. C'est très bien, en fait. Lâchez Cyberpunk, 4e épisode. J'étais super content des premiers, d'un coup. Je suis fait chier. Écoute, c'est vraiment, pour moi, une série qui juste... coche toutes les cases de ce qu'il faut mettre dans une série du genre, et voilà, et c'est... Voilà. Non mais ça va être Arkane, hein. Ça va être Arkane. Il n'y a pas beaucoup de trucs... Oui, bah les adaptations, on n'a pas non plus tant que ça, donc même si ça se développe... Mais non, mais Arkane, c'est... Mais par contre, je croyais que c'était sorti fin de l'année dernière, moi, Arkane. La femelle de l'Arcanard. De l'Arcanin. Oh non, mais c'est nul. Bon. Après, la série, moi, je savais même pas qu'il y en avait une. Attendez, je regarde où c'est. Las Madres, j'en ai marre. Las Madres. Plactel. Parce que j'écoutais pas, je suis désolée. Et du coup, là, je fais que courir. Et ça m'énerve. Et on est au chapitre 9. Allez, chapitre 9, je vais mettre... Juste pour arrêter... En fait, c'est parce que j'ai pas écouté, j'en suis navrée. Mais là, en fait, j'aurai pas la réponse. Donc, je regarde. Ah,
c'est pas du tout le bon jeu, ça. Ah, c'est Uplactel. Mais oui, mais Requiem, enfin... Requisitos, non. Je fais n'importe quoi, je suis désolée. Vas-y, j'ai appuyé sur F12, mon PC, il va imploser. Tu veux les traces des oiseaux. Trouvez une corniche et, sortez de la fosse. Poursuivez vers le pont. Ah, il y avait un pont. Bon. Eh ben, on va y aller, hein. Alors, je sais plus où j'étais. J'étais là-bas, genre. Ouais, ça devait être là-bas, je pense. Mais ouais, ouais, vous me distrayez trop, là. Arrêtez de me distrayer. Ah oui, c'est vrai que c'est Tom Holland qui joue dans Uncharted. Ah oui, oui. J'ai oublié. Donc non, c'est pas là. Mais je crois que je suis pas loin. Désolée, je suis vraiment désolée d'être dissipée comme ça. Ah, je crois qu'il faut que j'arrête tous les moulins, non? Oh, j'en suis sûre. Allez, on va voir ça. Oh non, mais voilà, faut que je coltine le gamin. Reste en bas, toi, moi je fais des trucs. Ah non, je peux pas. J'en ai marre de me le coltiner. Fatigant, je veux juste monter à une échelle vu qu'il vienne, je vais descendre vu qu'il vienne. Ah, je peux lui dire. Attends, toi! Ça. Non. Non. Je peux pas lui dire de faire ça. Je peux pas dire au gamin d'y aller? Ah punaise! Ah non! D'accord. Bon. Bah pourtant je fais... Je fais la touche hein, pour lui donner un ordre, mais je vais... peut-être pas la bonne, je vais tester une autre. Les montagnes. Ah ouais? Qu'est-ce que je fous là alors? Oh, tu étais presque là. Mais là ça marche pas hein. J'y peux rien moi. Je peux pas passer, je peux pas donner d'ordre au gamin. Alors je fais quoi? Je fais. Va retenter, va retenter. Ah, des quêtes secondaires dans le jeu? Mais j'ignorais ça, tu vois. Je peux peut-être pas la faire tout de suite, vu que je l'ai pas prise, la quête secondaire, si. Non, non, non! Non, ben je peux rien faire. Hein. Pas rester ici 5 heures. Hein. Tant pis.
peut faire un truc ici, mais j'imagine que non. Tant pis, hein. Si le jeu il me dit non, il m'a mis un stop, je respecte. Respectons le stop du jeu. Il m'a dit tu feras pas ça meuf. Je dis d'accord. Bon. Montagne. On veut en montagne. Tu peux pas être au four au moulin. Exactement ça, voilà, tout à fait, tout à fait. Ah mais c'est là-bas, regardez, on voit la porte illuminée par... C'est la mort, en fait. C'est tout. Le nom de la statue dans la montagne, t'as parlé tout à l'heure. Mais voilà, mais je peux pas deviner là, il me dit plus. Il me dit plus rien. Bon, en même temps, j'ai mis 0 aide. Alors, c'est peut-être pour ça. Allez, saute là où je t'envoie! Non, ça marche pas. Bonjour! J'aimerais bien une petite monture là. Petite monture, genre un scooter. Ah ouais, je vois le pont. Désolé, hein, là ça fait depuis bien longtemps que j'arrive. Pas grave, pour la petite quête secondaire, c'est pas grave. Tant pis. Je suis persuadée que le gamin pouvait passer dans le petit, dans la petite entrée là, mais non. Chut, tu veux effrayer les poissons ou bien ? Oh, désolé. On est passé en courant, pas pire, hein. Et puis, en vrai là, il pêche dans combien d'eau ? Puis comment tu vois ton bouchon ? Hein ? Coup de gueule de qui là ? Attends, on va regarder ça, hein. J'espère que son poisson s'est enfui. T'as bien raison. Libérez les poissons. On m'aurait pas vu, mais j'ai levé les yeux au ciel. Hein. Elle vient en mer, t'inquiète pas qu'elle doit en pouffer de la poiscaille. Oh, t'as quand même chanté tout à l'heure, j'avais tourné au moins 30 minutes parce que je savais plus où aller. J'ai tout refait avant même de me dire que c'était ça qu'il fallait faire. Ah oui, c'est vrai. Tout va bien. Je suis sûre qu'ils sont gentils, ceux-là. Bien sûr qu'ils le sont. Ils font du miel. J'avoue qu'ils sont... Mais oui, c'est vrai, les méchants, ils avaient des têtes d'apiculteurs. Ils sont flippants de fou. Château comme ça, ça. On va peut-être faire un truc comme ça dans Minecraft, là, au milieu. C'est là, le chemin du sanctuaire. Alors on n'a plus rien à faire. Non, allons-y. Ouais, c'est pour que je puisse faire la quête secondaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça promet d'être long. Là, j'avoue, j'ai pas compris si elle est pas. Après, je vais porter. Happy Culture. Les membres du culte joyeux. Oh putain, j'avoue, c'est trop bien, Happy Culture. Ça, c'est trop bien, ça. T'aurais dû être le nom de ma secte. Quelle heure, là? On a combien de temps de VOD? 1h24, on va peut-être la couper, écoutez, hein, le petit loup. Hop, pause, pause. J'arrive pas à faire pause. On va arrêter là la VOD. Et
on passe à la prochaine tout de suite. Des bisous.